deuxième épisode. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous encourage vivement à aller le voir parce que vous avez raté plein de trucs. En résumé, après s'être cassé le gros orteil droit, notre héros nous a fait une démonstration de la batterie, du xylophone, du glockenspiel, du vibraphone et du marimba. Qu'a-t-il d'autre à nous montrer ? Eh bien, c'est ce que vous allez découvrir dès maintenant. Qu'est-ce que vous dites ? Mais oui, j'allais en parler. Chez les percussions, on joue aussi des timbales, ces grosses marmites au fond de l'orchestre. Vous saviez qu'elles peuvent jouer des notes, elles aussi ? Eh oui, grâce à des pédales qui tendent et détendent les peaux. Bon, ça y est, on a fini ? On a fait le tour ? Mais non, car chez les percussionnistes, on peut jouer de tout plein de choses, comme les maracas, les claves, le tambourin, la grosse caisse d'harmonie, la cloche, les congas, les agogos, les bongos, les cymbales frappées, le tam, et bien d'autres choses encore. Si vous avez envie d'en savoir plus, ou si vous êtes déjà décidé à vous lancer dans l'aventure qu'offre la famille des percussions, n'hésitez pas, votre conservatoire vous aiguillera vers un professionnel expérimenté. Ou vers lui, oui, aussi. Mais ça fera l'affaire, vous en faites pas. Car, sachez-le, les percussions, c'est vraiment bon. Hé, Jean-Claude, rappelle-moi combien on a payé la com pour trouver le slogan. Quoi ? Mais t'as accepté ? Comme ça, tu sais exactement combien tu auras retenu sur ton salaire. Et tu râles pas, sinon je te remets sur des campagnes pour des yaourts. Et dire que j'ai quitté le cinéma pour ça. Festival de Cannes, Hollywood, tout ça pour être avec cette équipe de... Quoi ? Comment ça, le micro est encore branché ? Non mais je te...